to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Paradox et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau. On continue au 100% et on va s'attaquer à cette quête-là, l'épreuve d'aptitude de Link, qui est pour les niveaux 45. On a un Link niveau 73, donc ça devrait le faire. Et on se bat contre Revali, Sidon, Mipha, et les deux autres, on ne connaît pas. C'est parti! Hop, dégage, celui-là, il est à moi. Tac, on a un autre avant-poste à prendre. Ah oui, ok, en fait, on a vraiment tout le monde à battre. Par contre, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va peut-être se dépêcher un petit peu. Où est l'avant-poste? Là. Tac, toi tu dégages. Et Mipha. Au revoir. Ok. Tac, on en a un là. Salut. Tac, c'est un autre poste, c'est à moi. Suivant. Mon Dieu. Pas Revali. Ah voilà, et là il y a Revali. Vaincre Revali, Sidon. Et là, on se calme. Non mais où? Non mais où? Bande de poiscailles. Voilà. Ah là là, c'était abusé. Oh mon Dieu, je vous ai éclaté.
combinaison isolante. Ok, du coup. On a des améliorations pour Link. Notamment une qu'on peut faire. Ok. Ok, bon, bah on continue du coup. Ici, on a quoi? Putain, ça va faire mal. Au niveau 22, on est niveau 72. Oh. Oh, on a bientôt 50 niveaux d'écart. Enfin, on a 50 niveaux d'écart, ceci. Sinon, pour le prochain display, je sais pas trop trop. Pas trop vu qu'apparemment il y a Kena qui sort fin du mois et je veux le faire, donc on verra. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Salut, à moi le pote. Tac. Donc ouais, Kena et puis... Peut-être voir... C'est vrai que là on a fait une grosse phase de Switch. J'aimerais bien faire une... Enfin... refaire un peu plus de jeux play. Bon, enfin Kena en fait partie, mais enfin Kena, moi je pense que je vais le faire sur play, histoire d'avoir le ray tracing comme ça. Et du coup, ouais, je pensais peut-être à un Ratchet & Clank, des trucs comme ça. Mais bon, ça va aussi dépendre, je vous rappelle, des sorties des jeux. Des jeux qui m'intéressent, en tout cas. Link's Awakening, je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai très envie de le faire. Mais déjà, il y a Hyrule Warrior. Et je me dis que c'est peut-être un petit peu beaucoup de faire le dans mon temps. Et après, il va y avoir Skyward Sword. Et j'ai pas envie de spammer trop de Zelda non plus. Donc je sais pas. Oh là, on va essayer d'aller le voir. Donc je sais pas. Donc je sais pas du tout quand faire Link's Awakening. Je sais pas. Ouais, et puis hein, vous savez quoi? À moi le camp. J'ai dit à moi le camp. J'ai dit à moi le camp. Donc voilà. Mais oui, je compte bien, je compte le faire Link Awakening. TP HD ou Wind Waker HD sort sur Switch, je l'ai fait. Oui, mais je commencerai par TP HD. Ça c'est sûr. Parce que Wind Waker on l'a déjà fait. Est-ce que TP non? Tac, on a encore une quête là. On prend qui en deuxième? Qui c'est qui est moins? Ils sont tous niveau 40. On a Noya qui est en dessous, un petit peu. On va jouer avec Noya, tiens. Marrant. Marrant. Bon, enfin, on va surtout jouer avec Link, mais on aura Noya en soutien. Mais oui, pas de panique, il y a plein de jeux que je veux faire. Je suis une Mario Odyssey, je veux... Enfin, super longtemps que je... Enfin, depuis que j'ai la Switch, je veux le faire. Yoshi, pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
bien avant la compile, je voulais vous faire Mario Sunshine. Et au final, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire parce que pendant les vacances d'été, va déjà y avoir en priori Skyward Sword. Donc bon, est-ce que je prends le risque de faire peut-être faire un doublon, mais au moins voilà, me dire que voilà, c'est de l'aspect que je veux absolument faire. Quitte à ce que ça fasse doublon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On part qu'on va monter de niveau. Oh puis hein, vous savez quoi, voilà. Tac, on va faire. Oula. Pourquoi je me trompe? Faire celui-là et nous on prend Noya. Oh purée. Noya qui fait du coup zéro dégâts. Oh, pas que comment un petit peu. Un petit peu, mais bon, c'est vrai que ça va être plus long. Mais bon, on sait qu'on a Link derrière Cassure, donc bon. Donc on peut se permettre, on va dire. Ok. Tac, on va mettre Noya là. Et nous on prend Link. Si vous voulez la jouer. Salut. Tac, à moi ce camp là. Mon dieu, c'est abusé. La moitié du temps est écoulé, il reste plus qu'un camp, lol. Oh tiens, Link qui monte du niveau. On va faire Je peux pas. Je ne sais pas, bref, prenons Noya. Faire un truc, est-ce que je peux faire ça au pire? Non, même venir sur Noya, je peux pas. Salut. Mon dieu. Noya. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise, Noya? Treize, 14.
Vendre Link. Et de vente améliorée. Toc, 2000 en plus. Parfait. Du coup, on s'attaque à quoi maintenant? Ça? Ennemi toujours plus fort, lol. Tac, un petit coup de grâce. Mon dieu. Et j'ai défoncé en vrai. Oh. Salut. Ouais, je prends même le temps de récupérer des rubis. Bon, par contre, c'est pas pratique. Là où t'es mis. Oh, l'inel bleu. Cadeau. Mon dieu. Salut. Regardez-moi ce Link. Ok. Suivant. Casque isolant. Ok, on continue. Ici. Ce fil de rasoir extrême. Ok.
Ok, c'est vrai qu'il faut pas prendre de dégâts. J'ai oublié. J'avais oublié. Oui, du coup, ça va être chaud. Oh, enfin, oui et non, en fait. Fire, il y a une doucement, c'est tout. Je me suis pris quoi? Ça fait tellement dur. On peut passer par là. Ok. Ok, le sorcier, je pense que je peux me le faire assez facilement. En théorie, sorcier, ça passe. Ça compte comme un boss. Ça compte comme un boss. Ok. 2 secondes. Quoi? Ok. Attention à cette merde là. Non, j'y touche pas. Ok. Ok, par là je crois qu'il y a un chemin. Pas du tout. C'est pas là. Ok, toi tu dégages.
Mais non, mais je suis en animation, c'est dégueulasse. Ok, ça va, je suis au dernier, je retourne au dernier. C'est pas compliqué là, c'est juste que j'étais en animation quoi. Là pour le coup c'est moi qui fais de la merde. En soi c'est pas dur, c'est faut que je fasse attention à pas prendre à pas me faire toucher en fait. Ah c'est chiant. Ah oui c'est chiant le mode extrême. Un coup tu meurs. Bah c'est but. Après c'est... Bah je sais pas, je trouve que ça a son charme aussi. On va te faire un petit peu plus attention. Tenez qu'on n'a pas de temps, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. J'étais touché. Je pense que je vais partir sur une non-visée en fait. J'aurais été de viser. J'aurais été dans le lock 1, je pense. Quoique. Et là, je suis coincé. Non, c'est bon. Ça, c'est chiant. Par contre, mourir en animation, je trouve ça dégueulasse. Je peux rien faire là, je suis en animation. C'est ça qui est frustrant, c'est que je peux même pas esquiver en fait. C'est ça qui est cet enfoiré là. Ouais bah écoutez. En fait la salle est mal foutue. La salle ici est vachement mal foutue. Vous voulez pas venir? Je m'arrangerai. Qu'on aille se battre ailleurs. Oh, puis tu viens tout seul, c'est encore mieux.
stockage. Suivant. Qui veut? Toi tu dégages. Le dernier. Alors on est nul? Allez, casse-toi. Celle-là qu'on a eu, qu'on vient d'avoir. Sur Ville de Rausoir, extrême plus, mais oui, toujours plus. Allez hop, faut arrêter, au bout d'un moment. Oui, très bien. Botte des sables, ok. Techniquement, on a le niveau pour ça, mais bon. On va s'arrêter là. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, que il vous aura plu. Oui, j'aurai d'autres. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, qu'il vous aura plu. Oh, voilà, une troisième fois. Ça, c'est juste pour vous faire chier. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et vous savez. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous pouvez partager la chaîne des vidéos à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Allez, merci à tous ceux qui le feront. C'était pas. Bye bye tout le monde.